Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre rentrée se déroule bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi j'en sais rien parce que je ne les ai pas encore passées, j'ai tellement d'avance que j'ai des vidéos pour janvier 2022, quand même pas mais pas loin, j'ai vraiment beaucoup d'avance. Aujourd'hui je vous propose la suite des incollables de Marvel. La dernière fois on s'était occupé du film Iron Man 3, cette fois-ci je vous propose de répondre au quiz du film Thor, le monde des ténèbres. Et sans perdre plus de temps évidemment, je vous propose de prendre une feuille de papier, voir quelles seront vos bonnes réponses et on y va. Comme d'habitude, et vous aurez le lien en description, on se retrouve sur le site Marvel Story. Première question de ce quiz, en quelle année est sorti Thor, le monde des ténèbres au cinéma? 2012, 2013, 2014 ou 2015? Alors il faut savoir qu'à partir de 2013, Marvel Studios a décidé de sortir minimum 2 films par an. Cette décision a été prise au début de la phase 2, après la sortie du film Avengers. Le film est donc sorti en 2013, la même année que Iron Man 3 justement. Quel membre du trio Palatin possède le moins de temps à l'écran dans Thor 2? Volstagg, Fandral, Sif, Ogun. Alors logiquement la question aurait dû être le Quatuor si on compte Sif. Je pense pas que ce soit Sif, c'est sûr, elle a une place assez importante dans le film, dans le 2. Fandral, le personnage qui est tout à droite, il me semble qu'il apparaît plusieurs fois. J'hésite entre Volstagg et Ogun. Je pense que c'est Volstagg parce que le film est introduit sur le peuple de Ogun. Donc je vais dire Volstagg mais je n'en sais absolument rien. Comment se nomme le monde des elfes noirs? Alors des noms hyper compliqués. Le problème c'est que j'ai peur de dire une connerie. Jotunheim, c'est sûr que non. Vanayam, il me semble que ça fait partie des 9 royaumes mais que c'est pas cette planète. Et Svartalfheim, je crois que ça fait partie des 9 royaumes aussi. J'ai un gros doute entre le premier et le troisième, mais je vais quand même dire le troisième, quitte à perdre un point. Qui est le père d'Odin? J'ai un pote qui connaissait pas du tout l'arbre généalogique d'Odin et je lui ai appris que c'était Bor. Effectivement, son prénom c'est Bor, c'est pas ouf, mais c'est le père d'Odin. Comment se nomme l'acolyte de Malekith? Ben yes, j'en ai aucune idée. Hellstrom, Raz, Algrim ou Grundorf? Alors là, j'en ai aucune foutre idée. Par défaut, je vais dire Hellstrom, c'est tout, voilà. J'ai pas du tout d'idée de ce que ça pourrait être. Heimdall convoque Odin pour lui signifier qu'il a identifié un traître. Qui est-ce? Loki, Thor, Heimdall ou Fandral? Quand Heimdall le convoque, il dit que le traître c'est lui. Odin il fait rien d'ailleurs, mais il s'autoproclame comme étant le traître qui a fait fuir Thor de Asgard. Comment Malekith meurt? Il se fait tuer par Thor, il se fait écraser par son vaisseau, il se fait téléporter dans un endroit dangereux. Il se fait tuer par l'éther. Il se fait totalement écraser par son propre vaisseau. Triste destin pour un méchant pas ouf. Dans quelle ville se déroule la convergence? New York, Paris, Londres ou Amsterdam? Déjà, c'est ni Paris ni Londres. J'ai envie de jouer la carte de la facilité en disant New York. Mais en même temps, je peux me faire avoir sur ça et du coup, ça serait Amsterdam. New York prend déjà assez cher avec le film Avengers. Je pense pas qu'il y ait rebelote. Donc je vais dire Amsterdam par défaut. Sur quelle partie du corps Thor inflige-t-il une blessure importante à Malekith? Visage, épaule droite, bras droit ou bras gauche? Ah yes, j'en ai aucune idée, surtout à quel moment du film ça correspond. Peut-être que c'est à la toute fin du film quand il plante un des trucs téléportation dans son corps. Dans ce cas-là, je dirais peut-être le bras gauche, il me semble que sur la scène c'est ça. Mais alors là, aucune idée, ça peut être tout et n'importe quoi, donc bras gauche et puis basta. Quel autre Avengers fait une courte apparition dans Thor 2? Hulk, Black Widow, Captain America ou Hawkeye? C'est Captain America, c'est quand Loki se déguise en Captain America dans Asgard au moment où il se fait libérer. Comment Thor, Loki et Jane quittent-ils Asgard? Ils réussissent à passer par le Bifrost? Non. En se servant de Mjolnir? Non plus. Grâce à la magie noire? Non plus. Évidemment par un passage secret seulement connu de Loki, dont on ne sait toujours pas comment il a connu ce passage, mais c'est bien Loki. Que dit Fandral lorsqu'il saute de l'embarcation de Thor et Loki? Pour Asgard, pour les Asgardiens, pour la gloire d'Asgard, gloire à Asgard. Alors le problème c'est que la dernière fois que je l'ai regardé c'était en VO et du coup j'en ai aucune idée parce que pour traduire ces mots c'est un bordel. Dans mes souvenirs les plus lointains en version française je crois qu'il dit gloire à Asgard mais je m'en suis pas sûr. Beaucoup de passion dans ce quiz, je sens que je vais pas prendre une bonne note. Pourquoi Volstagg et Lady Sif ramènent-ils l'éther auprès du collectionneur à la fin du film? Pour ne pas être tenté de l'utiliser? Pour protéger Asgard, pour ne pas avoir 2 pierres d'infinité au même endroit parce qu'elles affaiblissent Odin. C'est Odin qui décide de ne pas avoir plusieurs pierres d'infinité au même endroit. Du coup, c'est pour ça qu'il amène au collectionneur à la toute fin du film. De quelle couleur est l'éther? Ben, c'est tout simplement la pierre de la réalité, c'est rouge. Qui interprète le rôle de Richard? Aucune idée, je connais pas l'acteur. On va répondre random, Paul Kay, voilà. Je sais pas du tout qui c'est. Qu'est-ce que la convergence? La collision des 9 royaumes d'Yggdrasil? L'alignement des 9 royaumes d'Yggdrasil? Un séisme touchant le Bifrost? La destruction des 9 royaumes d'Yggdrasil. Alors
Alors c'est pas la destruction, pour moi c'est l'alignement. J'hésite quand même avec la collision, mais pour moi ce serait plus logique que ce soit l'alignement, comme il appelle. Dans Thor 2, Loki demande à Thor d'avoir foi en sa force, son courage, sa colère ou sa vision. Purée, j'hésite entre colère et vision. Je dirais quand même vision vis-à-vis du fait du passage secret qu'il a trouvé dans le film. C'est mon seul argument. Après son arrestation, où se trouvait Erik Selvig? Dans une maison de retraite, aux soins intensifs, en prison dans un centre psychiatrique. Il était dans un centre psychiatrique parce qu'il avait fini à poil au milieu d'un monument populaire, là, n'importe quoi. Comment meurt la mère de Thor? Elle se fait poignarder, étrangler, écraser, choc mortel. Elle se fait poignarder par le monsieur, là, le gros monstre bizarre dont on n'a pas trouvé le prénom tout à l'heure. Et je crois qu'on arrive à la dernière question. Qui est le compositeur de la bande originale de Thor 2? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que Alan Taylor, normalement, c'est le réalisateur. Mais du coup, j'en ai aucune idée parce que le compositeur d'Avengers n'était pas du tout sur ce film. Donc je vais dire Patrick Doyle, mais j'en ai vraiment aucune idée. Ah, effectivement, nous partons sur une putain de note de merde, 11 sur 20. En même temps, ce film, au-delà de pas tellement l'avoir apprécié, je l'ai pas beaucoup vu. On va pas se mentir, Thor Ragnarok est quand même le film Thor le plus populaire et le mieux des trois. Et forcément, ça se reflète ici, j'ai à peine la moitié des bonnes réponses. C'est un 11 sur 20, la rentrée commence mal pour moi. Ceci étant dit, on arrive donc déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas de votre côté à aller faire le quiz et à me dire quelle note vous avez eu sur 20, je suis très curieux. Évidemment, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.